Oui, Madame l'Ambassadrice, donc on est aujourd'hui à l'inauguration d'une grande exposition qui a été déjà inaugurée au musée Mohamed VI. Et cette exposition, ce qui est exclusif, c'est qu'elle se passe en pleine pandémie. Quelle est votre impression? Justement, c'est une exposition qui porte sur la pandémie puisque ce sont des photographies qui ont été prises par l'agence France Presse partout dans le monde et en particulier ici au Maroc. Et qui reflète un peu les images de la pandémie, en particulier de la période de confinement. Mais c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'il faut arrêter de s'intéresser à la culture. Et on est vraiment ravis de collaborer avec la Fondation nationale des musées, avec l'agence France Presse, avec le partenaire Redal, avec le musée de la photographie, pour présenter cette belle exposition. On espère que tout l'est rabâti parce qu'elle est également dans d'autres lieux de la ville, hein, par exemple sur les grilles du jardin botanique. Que les rabâtis en profitent et sortent un peu et profitent un peu de cette culture qui existe quand même malgré la pandémie. Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elle soit exposée, c'est-à-dire une partie de l'exposition exposée à l'extérieur? Est-ce pour attirer plus les gens qui sont maintenant, qui ont un peu la peur d'aller dans des endroits publics qu'est-ce que vous en pensez? Et je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, à l'extérieur, il n'y a aucun risque par rapport à la pandémie, donc c'est plus facile. Et puis aussi, peut-être en allant à l'extérieur, une exposition, elle va s'approcher des gens plutôt que demander aux gens de venir à l'intérieur la voir. Donc voilà, un double objectif et j'espère qu'il y aura beaucoup de rabâtis qui pourront en profiter. C'est Qutbi, donc on est en face d'une très belle exposition, d'un très grand nombre de photographies. Qu'est-ce qu'elle représente en pleine période de pandémie? D'abord, nous avons besoin, en cette période de pandémie, de sourire. La plupart des photos, elles ont, je dirais, des sourires qui nous sont envoyés du monde entier par les photographes de l'AFP, qui l'envoient au Maroc. Un pays qui a su, garder les musées ouverts, c'est-à-dire donner de l'espoir aux gens. Mais en même temps que l'espoir a donné aux gens, il y a une chose exceptionnelle, c'est aussi de savoir que la vie continue. Les musées ouverts, c'est la vie qui continue. Et si aujourd'hui le Maroc est cité en exemple dans le monde entier, car il a persisté à garder les musées ouverts, c'est aussi cet espoir que nous donnons aux gens en leur disant « ne baissez jamais les bras, allez voir la culture, allez voir l'espoir, allez voir la vie ». Et par ces photos, en collaboration avec l'Institut français et l'AFP, nous donnons aussi comme ça, des petits messages de paix, des petits messages de bonheur aux gens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un événement inédit puisque la plupart des musées dans le monde sont fermés? Écoutez, vous avez raison, la plupart des musées sont aujourd'hui fermés. Les musées du Maroc, alhamdoulilah, et ça grâce à la politique de Sa Majesté qui a donné à la culture une place importante. Il est nécessaire de souligner cette ouverture parce que c'est aussi participer à la démocratisation et à l'accessibilité de la culture. La position même du musée, dans un quartier comme celui-ci, c'est important. Et pour la mise de l'exposition, une partie de l'exposition à l'extérieur, est-ce que c'est une stratégie pour attirer les gens? Écoutez, c'est un choix, c'est aussi de mettre la culture à la portée de chacun. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce n'est plus les gens qui vont vers les musées ou vers les expositions, c'est les musées qui viennent à la portée de chaque Marocain dans un quartier comme celui-ci, qui est un quartier relativement populaire. Et c'est extraordinaire, c'est aussi une démarche à saluer. C'est-à-dire que c'est les musées qui vont vers les gens être à la portée de chaque personne. C'est ça la démocratisation de la culture.